Le début effectif des travaux de construction dans la concession privée de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Il s'agit bien de la concession légalement acquise, située au site Pemkao, sur la route de Miabi, à côté des maisons préfabriquées Samipo, dans la commune de Bipemba, ville de Mbujimayi. À ce jour, les maçons sont à l'étape de la fondation, comme c'est dit ici, par Dr Bruno Mitéounienge, chef de la maison civile du chef de l'État, en dehors du pays. Mais pourquoi deux chantiers concomitamment, l'un en Mbujimayi et l'autre à Kabeyakamwake Nankuna? Il répond à notre question. La maison civile du chef de l'État a lancé les travaux d'érection et de construction de la résidence privée de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette construction va être établie au niveau du site communément appelé Pemkao. Le terrain où sa résidence privée va être érigée mesure 200 mètres sur 250 mètres. Dans un premier temps, nous allons d'abord construire un mur de clôture de manière à entreprendre le temps à venir la construction proprement dite de la résidence du chef de l'État. La résidence de Dr Étienne Tshisekedi de Kabeyakamwanga, c'est un musée. C'est une maison qui devrait être visitée par tout le monde. C'est une maison qui rassemble toute une longue histoire de sa vie. Et donc, la maison civile du chef de l'État a entamé depuis quelque temps la réhabilitation de cette maison. Mais en ce moment précis, nous sommes dans le stade des derniers travaux qui consistent à faire de ces musées quelque chose réellement où les enfants de ces pays, les hommes et les femmes, vont apprendre l'histoire de cette icône de la démocratie, ce monument de ces Congolais qui aura fait parler de lui et qui fera parler de lui dans les années et les siècles à venir. Et donc c'est une responsabilité de la maison civile du chef de l'État de parachever ces travaux qui ont commencé il y a quelques mois. Un bel exemple donné par Fatih Béton, le surnom se traduit par « grand bâtisseur de la République » qui Tshisekedi Tshilombo prêche par l'exemple en construisant chez lui